Salut à tous c'est bienvenue sur Magicanaifer, comment ça va fou Ça va très très bien et toi Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit peu plus d'historique avec euh, un brou un petit peu plus spicy. Que, euh, que ce qu'on a vu récemment, euh, ça reste un vrai deck, c'est Mono bleu tempo, enfin Spirit Tempo, qui a vraiment ouais. des airs de mono bleu tempo avec des obsessions curieuses hein, pour ceux qui nous suivent depuis un moment euh, ou ceux qui sont juste de la génération Arena, vous connaissez sûrement cette carte euh, et ce genre de deck où on va mettre des petites créatures, les enchanter, piocher des cartes, contrer des sorts pour euh, juste euh, bah, euh, garder le rythme de la partie, empêcher un adversaire de gagner, et juste euh, bourrer ensuite avec nos euh, no Menace Fly, enfin bourrer tout du long plutôt avec nos menace Fly et gagner la game. Très, euh, très sympa comme style de jeu. Euh, les aficionados aussi de Monsieur Liland connaissent très bien, puisque c'est un, euh, enfin, un style de deck qu'il avait joué à l'époque euh, en pro tour. Il avait bien rossé. Avant euh, du coup d'en parler un peu plus de ce deck, pouce bleu, anticipation confiance, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Aussi. Merci aussi. Ah, à nos sponsors, Playing by Magic Bazaar, code Valley 2021 sur leur boutique. Ça vous euh, donne un petit peu plus de points de fidélité et ça nous soutient si vous utilisez. Donc merci à tous. Et si vous voulez payer vos jeux moins chers, ça se passe sur Insta Gaming, lien d'affilié dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur le site, vous avez jeux moins chers, c'est super. Alors, merci à tous. cette déclise Val, d'où elle vient déjà. Est-ce que tu as un petit peu d'insight? Ouais, alors euh, très rapidement, c'est une deck liste qui a performé dans un top 8 un peu random. Euh, ça n'a pas fait un grand résultat, mais vous savez que nous, avec Pelle, on aime bien vous, euh, vous défricher un peu, vous déterrer des listes un petit peu spicy, un petit peu sympa en attendant Crimson Some Vaux. Donc rien de, aucune réelle performance à noter du côté de cette liste là, si ce n'est qu'on l'a trouvée intéressante, plutôt jolie et, euh, et un chouïa spicy pour le coup. Euh, c'est un deck qui est plutôt très polarisé, c'est-à-dire qu'il va avoir de très bons match-ups, mais aussi de très mauvais. Si vous avez vos wildcards, conservez-les. Ne les craft ne craftez pas ce deck-là. Ne dépensez pas vos wildcards dans ce deck-là. C'est loin d'être un des meilleurs decks euh, de l'historique. Cela dit, si vous avez les cartes dans un tournoi attendu, dans un méta attendu, eh ben c'est un deck qui peut bien se positionner. Euh, je je m'explique ce deck-là, en fait, il va très bien se battre contre tous les decks qui sont ou un peu lents ou un peu contrôle. C'est-à-dire que actuellement, euh, dans les meilleurs decks du format en historique, on peut retrouver des decks comme Enchantress ou Nive Misette contre lequel ce deck-là va extrêmement bien performe... performer, va être vraiment brillant. A contrario, si vous rencontrez euh, je sais pas moi, Izet Phoenix ou Human, je pense que votre win rate est très très bas. Bon, c'est un qui votre... Même food, hein. je pense mmh. que food c'est à peu près imbattable quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est un deck qui va un peu auto-loose contre plein de stratégies mais qui va être très très forte contre d'autres stratégies qui sont bien jouées en historique. Et nous ça nous permet de, bah, de tester des cartes qu'on voit assez rarement et et une stratégie ah, qu'on n'a pas vue depuis un petit moment quoi exactement euh, le b à b ça va tourner autour de deux cartes obsession curieuse et curiosité vous remarquez qu'il y a un petit peu les euh, même, euh, même famille de mots euh, dedans et ben c'est normal euh, c'est parce que ça fait la même chose plus un plus un et euh, quand la créature touche on pioche une carte et curiosité ça fait juste piocher une carte euh, ça ne donne pas plus un plus un sauf que l'obsession curieuse euh, nous oblige à attaquer avec une créature ce tour-ci pas forcément la créature enchantée d'ailleurs pour, pour la conserver, sinon on la sacrifie. Euh, l'obsession curieuse, hein, pas la créature, hein, sinon ce serait vraiment euh, en problématique comme carte. Ouais. Et euh, le but du coup, c'est de, de, de jouer des créatures à 1, comme Esprit Ascendant, Marin Spectral, ou à 2, euh, qui auront du coup euh, tout le vol. L'Esprit Ascendant n'a pas le vol tout de suite, euh, pour, euh, pour pouvoir mettre des points facilement avec l'obsession curieuse, parce qu'il faut pouvoir continuer à attaquer. Et, euh, et du coup, en fait, euh, l'effet négatif des comptes, c'est que vous dépensez une carte pour en gérer une. Mais du coup, vous, vous aménuisez votre nombre de, de réponses, enfin vos cartes en main, puisque quand vous jetez un compte pour une carte, derrière, quand vous repiochez, bah, ça va être soit un terrain, soit une carte active, et, et ainsi de suite, et après vous perdez la tempo. Alors qu'avec obsession curieuse ou curiosité, euh, on va parler d'un effet curiosité en général, bah, vous allez continuer à piocher plus de cartes que votre adversaire, donc deux cartes par tour, ou plus si vous avez plusieurs, parce que ça se cumule, même sur une seule bête. Et du coup, vous allez conserver l'avantage de cartes en main, avoir toujours des réponses à ce que fait votre adversaire, que ce soit des boons avec emprunteur, des contres avec charme, euh, ou même ne serait-ce que des. Il a au guest ferré qui permet d'engager les bêtes quand euh, vous engagez deux esprits. Et, euh, et ainsi, ou des contres et capture d'essence. Et ainsi, du coup, garder la tempo et euh, pouvoir passer vos points, piocher vos cartes et, euh, et juste battre très simplement l'adversaire à la value puis au point de vie. Euh, on a beaucoup de cartes qui valent peu cher. Vous voyez, le CCM du deck, euh, il est de. De 1 et de 2 en majorité, il n'y a que 6 cartes à 3, sachant qu'emprunteur en plus peut se jouer à 2. Donc finalement il n'y a qu'une carte à 3 euh, si on regarde bien. Perse sort qui va être euh, MVP dans pas mal de match pour justement pouvoir mettre votre menace, euh, contrer, euh, avoir en backup. Denny noble dans ce deck qui euh, devient un excellent counter-spell puisqu'à part l'esprit ascendant quand il n'est pas encore buffé, euh, c'est un contre à moins que l'adversaire ne paye 4 puisque toutes vos bêtes volent. Et ça, c'est assez solide. Et il y a des plays où vous faites capture d'essence, vous contrez une bête, vous mettez un marqueur, vous prenez une tempo incroyable euh, sur, la, sur la partie qui peuvent juste clore la game très, très vite. L'avantage la, la, de ce deck-là, c'est que si jamais vous commencez à maîtriser la game, euh, c'est-à-dire, ça sous-entend avoir une créature qui est équipée d'un effet curiosité, qui commence à attaquer avec des contres en main, votre adversaire il aura beaucoup de mal à euh, retourner la situation. Mm. Vous êtes vraiment dans le spot où vous voulez juste attaquer tous les tours et fermer boutique, comme on dit, par contre, quand vous êtes de derrière, c'est-à-dire que votre adversaire a déjà installé une pression sur le board, ce deck-là est incapable de comeback. C'est très difficile, en tout cas, de, de tourner le coin, comme on dit notamment avec les Dragons. Ah. Euh, switcher la tempo est quasiment impossible, d'où la faiblesse de ce deck-là. C'est ça. Vu qu'on n'a qu'un seul effet euh, boons, et c'est ça qui permet de reprendre la tempo quand il euh, y a déjà des créatures sur le board, bah, il faut trouver vos emprunteurs pour, euh, pour boonser. Mais ça coûte deux. Si vous ne pouvez pas faire plusieurs plays dans le tour, bah, il va juste rejouer ce que vous avez boonsé. C'est euh, assez dur, ou alors euh, sans forcément avoir une présence sur le board, les sorts qui, euh, les decks qui ont beaucoup d'interactions euh, ou de sorts qui coûtent peu cher. Parce que du coup, vous, ouais. vos contre ils ont de la value quand vous allez contrer des trucs qui valent aussi cher ou plus cher ou qui font de la value pour votre adversaire. Mais des, des decks comme Phoenix qui vont avoir plein d'interactions à 1 ou 2. Enfin, vous êtes obligé de contrer des fois, mais vous n'avez pas trop envie, vous perdez certaines fois de la mana. Et il a des créatures qui bloquent toutes vos bêtes. Ces phénix sont 3-2, donc ça bloque tout. Et en plus, ces phénix reviennent du cimetière dès qu'ils caste 3 spells. Donc c'est comme s'il cassait un quatrième spell gratuitement. Voire même un cinquième si jamais il a plusieurs phénix, etc. Donc vraiment ouais. ce sont des decks euh, très relous. Et, euh, et pourquoi Chafour euh, aussi c'est relou euh, June Parce que bah, ça ping de 1. Donc on voit qu'il y a beaucoup de trucs qui meurent sur des pings de 1. Et euh, au-delà de ça, bah, juste il va euh, gagner des points de vie. Euh, en passant par des capacités ou pinguer en passant par des capacités et non pas par des sorts. Une fois que les, ces créatures sont là, donc chat four, et ça vous avez du mal à contrer un chat et un four au début de partie, c'est vraiment relou quoi, parce que la tempo que ouais. vous allez essayer d'avoir en grignotant des points de vie, le moindre point de vie gagné de votre adversaire c'est chiant, et lui il va gagner euh, un point de vie par tour minimum en jouant June, donc c'est vraiment c est, c est, relou principales cartes de son engine coûtent très peu cher donc elles sont assez en facilement euh, euh, passables sous les contres et je, je rajouterai human qui est à peu près impossible à battre selon sa sortie à cause de Talia Parce que aussi Sentinelle et Talia euh, ouais. bah, démolissent le deck c'est ça bah, la, la value que qu'on essaye de faire elle est annulée par Esper Sentinel qui va du coup faire piocher autant de cartes que, que nous et euh, enfin pas annulée vraiment mais euh, en quelque sorte et Talia qui fait que nos spells coûtent un de plus enfin nos spells non créatures euh, c'est Poubellus. quoi par On contre Valandrial euh, vous, vous affrontez Niv-Mizet et je pense que c'est très difficile pour Niv-Mizet de battre ce deck là, un peu au même titre qu'Enchantress ou alors que Jeskai Créativité. c'est ça, une fois que, enfin, tant un... qu'on se prend et pas est... le cavru 5-5 tour 2 euh... franchement euh... c'est tranquille ou quoi Vinland euh, seulement, euh, on joue des jeux parce qu'il y a l'esprit ascendant et parce que c'est gratos et de Havre sans visage qui ne sont en quiquinant que pour jouer euh, potentiellement un tour 1 ou la euh, charme de l'archimage mais l'upside d'en avoir est quand même assez cool parce que on ne met pas énormément la pression. Du coup, avoir un land qui peut mettre quatre points comme ça et, et clore la game en deux tours, euh, potentiellement, c'est quand même assez sexy. Ouais, ça ne mange pas de pain quand on joue monocolore, pour le coup. C'est ça. Dans le side, entraver les monstres qui va être une gestion euh, supplémentaire. Enfin, on n'a pas vraiment de gestion là de la tempo et là, ça va être une, une gestion pour le coup. Cache du faussureur, on connaît. Rafale des terres euh, qui va bien avec euh, tout le pack de gestion éphémère erreur de lancement, négation, dispute mystique, enfin de gestion ou contre. Et euh, coller sélectif, carte qu'on voit très peu, qui marche bien contre les mécaniques euh, tribales, notamment ondin et humains. Ouais. Voilà. Parce que vous allez bouncer des créatures d'un même type quand vous payez X. Alors pas besoin ah, de se dire euh, on va payer X égale 30, hein. juste vous payez X égale 2, vous bouncez deux bêtes, déjà c'est frère. Oui, c'est très bien. Parce que comme on l'a dit tantôt, euh, les bords larges, euh, ça fait chier. Du coup de bouncer des bords larges, eh ben, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, Zou. Euh, Je peux ouais, partir en et... classé. Oh, tu peux partir en classé. Ouais, le, le reset du ladder a été opéré hier soir à 21h. Donc, du coup, là, on repart euh, de platine 4. On peut oui. absolument full lose. Ce n'est pas grave. Ça, hier soir pour la vidéo. Euh, mais pas hier soir quand vous la voyez. Pas hier soir pour vous, non. Du coup, vous pouvez savoir quand on tourne. On repart, euh, repart d'en bas et on va essayer de remonter tout en haut. 15 steps. Là, si on peut remonter de 15 steps, je prends. Si on le bat, on prend 15 niveaux. Allez. On passe mythique. Instante. C'est une bonne main ça. Ah, c'est just a keep. Alors a... après, si on est Cosyland, on Mulligan toutes les mains sans curiosité. Mais comme là c'est un deck qui est aussi tribal, ouais. euh, c'est un deck qui peut se battre euh, sans curiosité. Là où mono bleu de l'époque, merci Max Boyman. Merci Max Boyman. Euh, le mono bleu de l'époque, en fait, il pouvait pas forcément euh, se battre sans un effet curiosité. Alors que là, on est quand même capable nous aussi d'assembler un board avec nos avec nos spirits. Ouais. Je pense que je privilégie Marin Spectral. Ouais, bah sinon là tu vas prendre juste pilier de flamme, flint... enfin pas de flammes, pardon, euh... un papier de flamme, pardon, elite fin de tour et ça va être mm. relou, quoi. En plus que... Ah, ah lui. bah ça je ne sais pas ce qu'il joue. Euh, Deni Noble il n'est pas actif si on joue euh, Esprit Ascendant. Non. Mais euh, il a joué Jeune Pyromancien qui est une carte pas jouée. Donc euh, à noter quand même qu'il est euh, plutôt spicy notre adversaire. Ouais. Est-ce qu'on joue un Lord ou est-ce euh, que ça oui. ne change rien je pense qu'il faut que tu joues un Lord pour protéger ton marin spectral des, des petits effets, des petits pings et commencer mmh. à rentrer des dégâts. Parce que là, du fait qu'il joue jeune pyromancien, euh, ton déni noble, en fait, ça sous-entend qu'il joue plein de petits spells et ton déni noble, ouais. du coup, n'a pas beaucoup de valeur. Il faut sûr. commencer à mettre la pression. Lui, il veut stabiliser sur le sol, mais nous, on s'en fout, on veut mettre des dégâts dans les airs. Puis, une 1-3, ça bloque extrêmement bien. Quand il y a des 2-1 et des 1-1. Ok, si jamais il avait pas d'interaction ça serait plutôt pas mal. Faut pas rêver hein, mais ouais. Petite chaleur impie. Bon. Ils sont là. Ouais, pas facile hein. Je veux une 3-3, il passe. Hein. Bah je crois. Hein. Je crois que t'as pas trop trop le choix. Alors ah, évidemment, on l'avait dit, hein, les match up bleu-rouge avec plein d'interactions sont pas faciles. Euh, là, tu as beau contrer ses spells, il y a un effet qui proc à cause du jeune pyromancien. Mm -hmm. C'est exactement tout ce qu'on veut pas voir. Tu notes Lord Alors lui, lui, hein, 15 step. Il savait qu'on allait jouer Spirit. C'est pas possible autrement. Et après shot Non, Il parce que bien ça, bien. spoiler, ce qui fait, ça n'est pas joué en historique. Attention, quatrième esprit ascendant. T'es prêt, Val Presque. Mm -hmm. Rattleshine, c'est pas mal. Ça se joue en flash. Défense ça permet éphénique. de sauver ton guest. Ok. Je crois qu'il faut que tu Attaque. mettes des points, Ouais, je peux pas bloquer, donc... Euh... Il bloque pas, lui Il bloque que ce qu'elle vole. vol. C'est pour ça que j'ai engagé ah. une purement ancien en réponse. Mm -hmm. Ok. Bah, je crois, attends. Ouais. peut-être ouais, faire de la merde, non c'est bon. C'est genre, euh, c'est un esprit un peu flemmard, genre la flemme de descendre, bloquer ce qu'il ouais. y a au sol. Ouais, ouais. voilà, si il va à mon niveau, je vois pas, tu vois. Il attrape ce qu'il a à sa portée. Ouais. Il est là en mode, ah, il y a la merde en bas. Fais chier. Il, il est les... les... euh... pas vu. Euh, un phoenix okay. et une itération. Je ne ok. Je pourrais contrer ça en vrai sur Piocheur là. On préfère mettre une bête. Ouais, je crois que si on met pas de bête, en va perdre de toute façon. Ouais. Bah, je pense que t'as perdu déjà. De par la texture du matchup et oui. le fait qu'il est jeune, puis romancien. Si bah, t'as aucun moyen Lord de fonctionner de... son board. Donc. Euh... Si on retrouve l'ordre, pourquoi pas elle est... elle est déjà poubelle cette game. Ouais, même pas en fait. Il y a tellement de board, ouais. Non, il a déjà trop de board, c'est fini. Ouais, tu peux t'en aller. Allez, y on peut s'en aller. On va sider contre le pépère. Bon, je pouvais le protéger avec un chaîne, hein, mais bon. Oui, oui, non, mais on s'est compris. Tu rattraperas pas. On en parlait. Hein, ouais. La tempo perdue euh, ne, se, ne se rattrape pas. On va rentrer trois cages. Euh, yep. Et c'est tout. Hein. Pour les sélectifs ou pas Non, non. Bon, c'est pas très bien. quoi Tu vas payer 3 pour booster deux 2 tokens. Euh... Qu'est-ce que t'as envie de décider déjà Arcmate Charme, ça m'a l'air vraiment le bout du monde. Ouais, c'est cher contre lui. Et une capture d'essence. Ouais, mais capture d'essence, bien... là sur le play, tu seras bien content de l'avoir, je pense. Hein. Pour attraper que ça soit des sprites dragon, des jeunes pyromanciens, des trucs comme ça. Ouais. Moi, j'enlèverais beaucoup le faire ce sort. Enfin, en fait, ces spells, euh... okay. qu'ils soient compris ou pas, euh, leur effet existe. donc euh... Ouais. Oh, ouais c'est comme ça. Je sais pas, je me suis dit ce sort c'est pas mal. Euh... Bah, c'est vachement bien si t'attrapes spécifiquement une, une une itération expressive tu vois mais mm. c'est pas mauvais hein, attention. Ah. Oh. Mouligane... Mieux. Mais en fait ce qui est un peu chiant c'est que tu fais des sorties tribales et pas des sorties tempo là. Ouais. Après c'est peut-être mieux contre Phoenix de faire des sorties tribales cela dit. Vu que les sorties tempo ont beaucoup de, de mal à aller au bout. Bon, je ferai comme ça aussi. Et il faut éviter de mulligan avec ce deck aussi. Ah, si vous n'avez pas une bonne main, il ne faut pas hésiter. Mais disons que s'il y a une main acceptable à 6, c'est euh... pas mal de la garder. quoi. Hop, il meurt. De ouais, bah, toute façon, il doit avoir X. Ah, il joue des chocs, tiens. Dommage. Bah je... C'est marrant, tu vois. C'est marrant de jouer choc quand on peut jouer play with fire, pilier de flamme et unholy Bah, peut-être qu'il joue tout. Hein. <laughs> je sais <laughs> pas. Hein. Ouais, je... Le mec, qui joue pas 20 foudres, il joue 20 choc. C'est vraiment un downgrade total du deck, quoi. Petite response. Ah, bah, s'il les joue tous, il en a, oui. Hop, chaleur ai impie. Quel enfer, quoi. Hmm. Moi j'aime bien. Bon, on l'a dit. Hein. Là, on met juste en pratique les paroles. C'est-à-dire que c'est très polarisé. Donc il faudra juste perdre cette game et, et taguer. Euh, tu peux partir. Dispute mystique. Toi, toi, toi. Je peux jeter créatures encore. Je peux jouer ça en flash. Parfait. Tu peux jouer des créatures, ouais. En fait, tant que j'ai curieuse obsession, je me dis là, au moment, peut-être qu'il n'a plus de réponse quand même. Ah, mais Et en fait, ta stratégie ça. elle est quand même beaucoup plus faible que la sienne. Que tes cartes. Ah, conditions. voilà, ça c'est bien ça. Hardcast, on fout. Bim. Et là, on est parti, mec. Ouais, là, on a je le beatdown. Pioche tes je cartes. C'est juste win. Ok. Ah, oui, je vais piocher, oui. Bon, je vais pas piocher ça par contre. Oui, rien à faire. Et là, il fait choc sur intrépide, choc sur Ferré, Avouez studio. Bah s'il les a pas, il va aller les chercher parce que tout son deck n'est qu'un énorme piocheur. Ah Il avait un phoenix au dessus, il est fort. C'est top. Et là, tu sais ce qu'il peut faire Il peut juste garder tes phoenix en bloc et gagner la partie. C'est bon, on arrête de souffrir ou pas C'est pas facile. C'est pas facile. On arrête de souffrir et on va taguer en ou en misette. Histoire d'illustrer encore mieux dans le propos. Allez, 2-0, première win. Ah bah quand on vous a dit que Phoenix on pouvait pas gagner, euh, en fait c'est vraiment... Quand vous jouez ce genre de deck là, il y a vraiment des, game, des, des games qui sont ingagnables. cest que vous avez des match enfin vous avez des decks, des archétypes qui vont avoir des bons et des mauvais match qui vont osciller entre 40-60 euh, quand ils sont négatifs et 60-40 quand ils sont positifs. Avec Monoble Tempo, vous êtes plutôt à 20-80 dans la disposition de vos matchups. Je ne sais pas si on n'est pas à 10-90 contre Phoenix. Genre, vraiment, il a un peu tout ce qui est dégueulasse contre nous. Contre ses spells n'affecte pas son plan de jeu. Il a plein d'interactions early qui tuent absolument toutes tes bêtes. Et il a des menaces qui passent en dessous des contres. Je, je vois pas du tout euh, ce que ce qu'on peut faire pour le battre. Non, ouais, j'avoue, c'est encore pire que tout, quoi. Je m'en promets. Je la garderai quand même. Je pense c'est ok. Ok, merfolk. Hop là. Ça n'interagit pas, Merfolk, mais ça bourre. Ça pousse. Ça pousse, ça bourre. Oh, ça, c'est non, ça, non. par contre. Hein. Ah, c'est juste non, en fait. Vous, vous avez, avez vu monter sur. un euh, petite supplémentaire, là, ou une petite curieuse obsession, on se met d'où euh, Curieuse obsession ou curiosité. Ah, yes. Non, mais d'abord le havre, comme ça, tu peux bourrer avec dès le tour d'après. Oui, c'est vrai. Et on fera W de fin de tour et on a le beat down. Il reste plus que 15 points à mettre. Pas facile hein. Ça va. Ça va, Ping. Oh tu mets tout là, sans bat les couilles. Mais je m'en bats les couilles. 3 mana, il a rien fait, c'est-à-dire qu'il a rien à jouer, c'est improbable. Oh. C'est pas mal du tout. Je ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, on le met sur marin, je pense. Tu peux bourrer en vrai. Hein. Je mets 9 points hein. ah, là. Tu... Boah, il tu va jouer Andin Trickster. Merfolk Trickster, 100% sur ta curse obsession Ouais. C'est probable en vrai. Hein. Bah, du coup, tu bourras avec tout sauf avec marin, quoi. Ok, ça me va. Ça enlève le vol, marin Trickster Ouais, ouais, il va tuer ta hein. Si Si t'es sûr qu'il a Merfolk Trickster, oui. Je vois pas pourquoi il passe. Euh... D'ailleurs, Marin, 3, Marin, Marin Trickster, c'est un, une collab entre le Marin Spectral et le Merfolk, euh, et le Merfolk euh, Trickster. Et il est super sympa, du coup. Et il est très sympa. Comme ça, Parce il que, me laisse euh... mettre un point en fly. Voilà, exactement. Euh, c'est un frère. Alors que tu aurais peut-être pu faire l'erreur d'attaquer avec ta 1, il aurait pu la manger. Mm. Alors, ça, c'est quand même le signe que je bloquerai plus jamais ce qu'il fait. Non, mais tu vas mettre plus de points, non ah, Là, je suis curieux, dit, je pense. Je crois que t'as gagné parce qu'il a l'étal sur un lord mais son lord ne résoudra jamais. Donc oui tu fais curieuse. Ouais. Sur euh... Tenshen Moi je mettrais plutôt sur la 1 non On met tous les œufs dans le même. Enfin. Diversifier tes menaces. Ouais. Alors s'il a espoir volatilisé, il gagne le bid mais c'est pas gagné, quoi. Putain, il joue espoir volatilisé quoi, le seum. Contrer en vrai, parce que je peux piocher un, un autre contre, Alors, si, si jamais tu comptes et qu'il a un lord, t'as perdu. Parce que là, si je compte, je pioche une carte hein, et je peux faire land euh, contre. Et si tu contre pas, il se passe quoi si on, je met contre pas, points, on, met... on met 4 points. Si remarque je peux rejouer mon marin, ça se fait. Hein. Je crois que t'as pas le droit là hein, ici de, euh, ouais. de contrer, non Parce que des lords, il en a 12, hein, euh, le pépère. Et il a ce qu'il faut. Donc là, est-ce que tu es capable de tuer en, en deux tours là Oui, avec ton Marin Spectral, fin de tour, plus un contre, et s'il attaque avec tout, tu fais avre sans visage, c'est GG, non Il fait Je lord, tu fais des noble. Ouais. Et s'il a un deuxième lord, bah, c'est juste le big boss, quoi. Bah, il en aurait eu 4 en 12 cartes. Ah bah 3... c'est un crack. 1, 2, 3, 4, Je 5, sais. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon bon 12 cartes, 3 mètres des perles et 4 lords. Crakito. Ok. Moi je pense c'est bien comme ça. Hein. Ok, et les spell pierces me paraissent assez naze. Je quoi, un défi Un déni, bon hein j'aime bien. Je rentre bien, bien défi, moi. J'aime bien Défi, filles, j'enlèverai un guest ferré, je trouve que c'est une assez mauvaise carte en vrai. Ça bloquera pas grand chose chez lui. On était pas loin. Ouais, t'es pas loin après, voilà, quand le mec il trouve 4 lords et nous on trouve 5 lands sur 20. Bon. Et c'est surtout là, nous il faut qu'on trouve des match-up en fait. <laughs> c'est ça ouais. le problème quoi. Non mais là, euh, franchement. Oh, putain quoi. Ouais, t'as pas le droit de la garder, t'as même pas Curious Obsession pour, euh, pour venir la soutenir cette main. Ok très bien. Okay. Oh, j'enlèverais plutôt coller call les sélectifs ouais, là. Tu une petite tempo de ouf non ouais. Je me suis dit euh, tour 2 je peux déjà bouler un truc mais euh, si je fais ça j'ai je... perdu donc. Oh, ouais, ça va être. bien bon fait des games très rapides avec ce deck généralement. Ça va être très vite euh, où ça va. Bah tu sais en fait c'est quand t'as des matchups très, polaris très polarisés tu les perds vite ou tu les gagnes vite quoi. Mm. Alors nous on les perd vite pour l'instant. Ouais oh, laisse résoudre ça on s'en fout. Enfin, à moins qu'il ait un seul land en main, et dans ce cas-là, euh... mais ça on peut ah pas ouais. savoir. Quoi. En fait, si je compte, ça m'empêche de faire marin obsession. c'est donc... clair, donc c'est dommage. Il avait un land, je crois. Il a, il a un land, hein. donc ça donne. Ah non, 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 ok. Ouais, là, marin obsession curieuse euh... et dispute mystique backup, tu devrais aller au bout de cette game, je pense. Là, il faut qu'il ait pas. Euh, le spell pour un verre je me bats euh, ouais c'est vrai c'est vrai que s'il a ça il te mettait euh... il me il mettait mal. Je pense que tu peux le curieuse et bourré juste ah, bah avec de dispute j'y vais là par contre je joue pas mon esprit ascendant non 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 tu pourras jouer le tour d'après quoi euh, ça va un quart des landes encore sur 11 cartes c'est bon là on entraîne win, est en train de win c'est pas grave pas que ça nous glisse entre les doigts, voilà. Non, non, t'inquiète. Là, il là, n'y a rien qui peut se passer avec tes, avec tes deux mystiques. Oh bah, sinon, par contre, Coco. J'ai bien C'est d'une ambi ambition contre nous, ça, mais euh, complètement fou. Ah, de ouf. Euh, je vais jouer ça. Ouais, je te propose un petit esprit. Hein. Quoique, c'est vrai que tu peux voir ce que, ce que tu pioches. Je suis à regarder, ouais. Si j'ai marre un spectral, je joue pas esprit encore, je pense. Ok, ouais, je peux jouer esprit. Euh, tu peux pas tout jouer si tu joues esprit alors que là tu as le droit à dispute et capture. Est-ce qu'il est bien relevant, cet esprit bon, En fait là je me dis sur son tour 4 il veut collected et collected je le compte avec dispute à 3. Ok, s'il si double lord par contre on, on se dit que c'est pas grave même dans le pire des cas s'il double lord. Bah, franchement il double lord, on en, on en chope un quand même. Euh, il okay, va mettre met 3. Okay. Ouais, je pense qu'on est, on est devant quoi. Ok. Ouais sur surtout... une séquence un peu improbable, il faudrait qu'il ait genre lord. Si jamais il fait double ouais. lord, j'en attrape un et je levais le pest pré-ascendant. Ouais c'est vrai. Je peux pas booster, booster tuer. Non. Parce que sinon on se prend collected. Mais de toute façon même, tu peux pas, je crois que c'est un rituel, non Ou alors je dis bêtises Ah non, je ah ah c'est une bonne carte. ça. Hein. Là du coup, si j'active, il peut collecter en réponse. Donc faut ouais, que je dis ça, pas Ok. Trop. Je préfère tourner autour de collected, ouais. Ah oh, tu peux curiosité hein, t'as une curiosité en main. Ah non, tu voulais pas. pas... Ah, en fait, je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était un éphémère non. J'étais focus sur ça en fait. Euh, euh, là du coup j'attrape avec ça. Moi, ça ouais. Ouais. Ouais, bon. Il, il a compris, il, le... il le sait. Ouais, j'étais focus sur euh, quand euh, déclarer mes attaquants pour contrer son spell et tout, et j'ai oublié la curiosité. Alors. de oh, toute façon on était déjà très très bien. Oui. Euh, Est-ce qu'on change un truc sur le play sur la draw Je crois pas. Non. Non, ça, ça a l'air vraiment pas très bien, hein, Mélodie de l'Enchanteresse. Non, regarde comme ça. Ouais. On peut rentrer des charmes de l'archimage pour piquer ce qui nous pique. <laughs> Alors rends-moi mon marin spectral. C'est à moi ça, j'ai dit. Allez, une bonne main. C'est pas mal ça. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Après, a... t'es sur la draw, donc tes disputes sont moins bien et mm. t'as pas d'effet obsession, mais bon, je pense que c'est ok. Je vais le piocher tour 2, donc ça me pose pas de problème. Genre là, tu même pas le droit d'esprit tour 1, en fait. Tu es obligé de contrer un. Ah. Attends, si tu fais ça, tu ne contre pas un Lord. Hein. Attention. Parce je que que tu ne pas, un Lord, pas mais... En... Mais... Je peux pas patienter, je ne suis pas pressé. Je pense qu'il faut que tu patientes là. Parce que lui, Lord tour 2, il nous a montré qu'il était en capacité. Ah, non, ok. Je ne pas son tour, c'est régalé, hein. Ouais, ouais, c'est pas mal. Je oh, vrai vrai je si es... Ouais, sinon t'es à haut tempo, donc vas-y, vas-y. La petite esprit passe. Je crois que je vais éteindre chaîne, non Fin de tour. Moi, je préfère, je préfère esprit. Je préfère un esprit et pour la dispute. dispute. Okay. Ouais, comme ça t'as toujours dispute backup et tu peux cohésiter de le tour d'après. Ok, let's go. Ok, c'est parti. ça On s'en bat les couilles. Euh, ça, ça nous bloque par contre, mais c'est pas grave. Ouais, ouais, pas pressé. Il a enlevé quoi Un -suir, ouais. oh putain, et Suir c'est ça Ouais. Putain, t'as l'œil fin j'ai pas vu moi. T'as l'œil vif, l'œil du lynx, le. X -x. Et là, est-ce qu'on le fait pas passer 2 trois le tôt Bah, je peux le faire à son tour. Non, mais là, ça te permet d'attaquer. Ah, tu préfères pas bloquer là on n'a pas la tempo. On n'est pas censé l'avoir à terme, je sais pas. Et une si je fais passer 2-3, il fait collected. Ok. Je crois que là, on peut attendre encore. En plus que peut-être il va se dire... En fait, là, s'il attaque, c'est pour qu'on fasse passer 2-3 qui collected. Alors, collected, ah. il faut quand même euh, qu'il ait son quatrième land. Et vu qu'il a jeté un suaire qui est une carte clé, c'est-à-dire qu'il avait pas le troisième déjà. Je ferais bien une dispute là-dessus. Sinon il met trop de board c'est ça Ouais je, chaîne, pense, je pense que même s'il a collected Il faut qu'il deck le 4ème land qu'il avait pas Donc euh, moi ça, ça me va de pas respecter collected Et perdre si notre adversaire est talentueux bah, C'est un truc que j'accepte dans la vie quoi. Ouais, Sur 3 cartes euh, il faut qu'il ait le land collected Il a land Le boss Bon bah il a collected Puisque cette est -ce vidéo a décidé de nous chier dessus Ok bah écoute je vais bloquer et booster C'est 2-2 ou 2-3 2-3 Ouais il faut que tu bloques ouais bah, je peux booster en tout. réponse déjà. Ouais. Enfin avant les bloqueurs, voir s'il répond. Parce que s'il fait collected maintenant, bon, bah, je bloque pas. Il va quand même attendre. Bon, il a une réponse, un hein, spoiler. Il a une collected, mais il peut aussi prout sa collected, tu vois. Bon, putain, c'est le boss quoi, sans déconner. Dix il est très fort. Ah il l'a pas. Ah j'aurais dû bloquer ça Je m'attendais à de l'ordre en fait Mais c'est vrai qu'il a prouté Donc j'aurais dû bloquer ça Pour le, le trade J'ai mal joué Et lui il a particulièrement bien joué Ouais Alors euh... Tu peux même plus bloquer Donc euh, Faut que tu ouais. double ta chaîne Fin de tour Que tu pioches plein de cartes Et faut espérer être capable De switcher de tempo avec ça Mais comme tu meurs en deux tours J'y crois pas trop Ouais On se sera battu hein Contre ah, le, le matchup, il, euh, il est un peu ah rond, bon. quoi. Pourquoi il attaque pas avec Ok. Oh, parce que je peux le trade. Ça, c'est bloquable. Ah oui, ça, ça, celui-là n'est pas un bloquable. D'accord. C'est vrai. Ah, du coup, il te tue pas si tu gardes un bloquant. Ouais, t'as plutôt intérêt à faire comme ça, t'as raison. Adro 2. Là, il faut trouver des dingues. Hein. Un bloqueur ah, supplémentaire. Tu obligé de développer des, des ouais, cartes. Ah, ouais. oh, c'est un bloqueur supplémentaire et ça fait que je ne me prends pas Boons du coup. C'est ça. Genre, si top deck toutes les collectées de compagnie de sa vie, bah, bah, on le félicitera. Ok. Ok. Bon. Écoute, on a déjà fait <laughs> deux games de trop. On peut faire la vraie game pour la fin. <laughs> si, c'est parti. Non, mais si on peut taguer un truc un peu plus mou, un peu plus contrôlif, ça me dérangerait pas. Ah, et puis si en 10 cartes, il peut éviter d'avoir 4 lands collected euh, et qu'un tuple lord, euh, ça me va aussi. quoi. Ah, mais juste ça me va, ah, tu oui. vois. Ah, oui, mais moi aussi, hein, je, je prends tout. T'as quoi 5 lands Ok, moi j'ai 5 lords. Ah, bah c'est plus fort, 5 okay. lords. Sur toutes les vidéos historiques qu'on a fait il n'y avait pas de game de trop. On a juste roulé sur tout le monde. Oui, là, c'est celle-là. Spoiler, on peut faire la vidéo de trop, tu vois. On fait directement la vidéo de trop, comme ça, au moins, après, euh, on est bien. C'est bien, ça. C'est pas mal. Allez, un bon match-up. Ou un match-up 50-50, comme ça, au moins, il y a match. Et justement, c'est un deck qui a pas trop de match-up 50-50. Hein. Si, si. Oh, Golgari Stomp. Je pense que c'est battable, ça. C'est très battable. Gary. C'est très Nigo, euh, Golgari. Et les decks Nigo, on les bat bien, tu vois. C'est ouais, tout, tout ce qu on que je voulais entendre. Regisor et, euh... et je suis en réponse, ouais. bim. What the fuck Deck. Est Un c est petit token 1-1. Mais pourquoi Il pioche une carte. Je ne sais pas, Val. Ah, tu, je reste pentu, là, tu vois. Je suis sur une pente. Euh... Je suis sur une pente. Et bah je la Ah ouais. D'où ton nom. Ouais, je reste eh bien, up, hein. Up, hein. Ouais. Avant de gogo. Alors c'est pas Golgaristompi. Euh, c'est du fait qu'il un... ait qu posé le de côté noir. Ça a l'air d'être un espèce de June bizarre mais si c'est un peu clunky c'est à dire au sens un peu, oh. un peu mou un peu euh... c'est un peu branlant un peu branlant euh... devrait être capable enfin en fait ça, ça ça bat tous les decks un peu spicy un peu les decks un peu branlant quoi ok mec je... chaque spell qu'il joue je suis en mode wow. je comprends ah, mais pas c'est ce June Collected non ça joue pas elf ça joue pas euh... inhumain enfin, ça joue pas ces cartes là quoi Enfin, si on pense à June Collected dans la version qu'on connaissait de base avec Chafour, ça ne joue pas ça. Mec, je mets tout, je le bourre. T'auras Spell Pierce, mais Spell Pierce ça va pas. Euh... J'ai vais piocher Land là. Ok, ok, ok. okay. Fais en confiance. Est-ce que je t'ai la déjà laissé tomber Jamais. Voilà. Quand il s'agissait de trouver un Land, tu nous as toujours régalé. C'est maintenant là, il faut. Mec j'y vais. De toute façon au pire c'est 7 points, c'est tué en deux tours, hein, donc euh, faut qu'il bouge. Hein. Ah mais il a l'air de bien bouger le, le poulet. Hein. Ah, il remue là. Ah, oui, il donc, un peu. De loin t'as l'impression qu'il bouge. Merde. Putain. En dans ma vision, je savais que je pouvais jouer quelque chose pour prochain. Donc je, je me suis dit que, que j'allais piocher Land. Mais... Il joue une combo à la con, sinon je comprends pas son deck. Il est pas mort. Enfin, il est mort avec Marin Spectral. Oula! Il, il joue fou. vraiment une liste bizarre de de de, de compagnie. Écoute, c'est la vie. Hein. 3, 4, 5. Putain, il peut sacrifier ah bah il 5 peut... trucs. Il peut en sacrifier des choses, mais let's go. sacrifie c'est pas grave. Vas-y, vas-y. Moi, c'est ce que je peux pas faire. J'ai ton board, donc j'ai retombé pour ouais. moi. Donc, il n'y a pas de, pas de problème. Tu peux même teint chain sur un, un dernier ping pour gagner, euh, gagner un d'endurance. Oh, t'es doux ici. Hein. Land, phase d'attaque, il est mort. Si tu vois, pour avoir euh, l'étale ou pas Ah, bah j'ai l'étale. 1, 2, 3, 4. Ah merde, non, je suis one off. Euh... Vas-y, tente-le, non S'en fout. Genre, je fais boon sur Wador Bah Je pense qu'il faut boon sur Wador, le laisser faire ses dingueries pour survivre avec euh, Diable. Et bazarder son board, et tu fais Tint Chain sur un des derniers ping d'un premier Lord, et ça doit peut-être suffire à passer, non Je pense. Là, logiquement, il va aller chercher un fantôme suprême. Hein. Drip. Bah, il va essayer, quoi. Sauf que ça va lui coûter 5 pings, et s'il fait 5 ping, bah, il a plus de Lord. Enfin, il a plus de board, pardon. Mmh. Ou alors, il sacrifie juste Wador, il fait Ok, vas-y, passe en phase d'attaque. Ok, je suis mort. <laughs> oui, oh, du coup, il a... il a géré notre emprunteur. ok bah ouais et puis là maintenant il va te donner elf puis un vampire et je pense que tu peux chaîne sur un des sur un des effets ping quoi ça rajoute un ping de plus ah de ouf à mettre quoi. bah il va lui rester enjambeur et diable c'est une belle carte du dessus visiblement ouais il a l'air de bien l'aimer hein. et non. ah il veut ah il voulait pas que je joue il a, a pas foutu que tu la garde. Non non, je veux pas je veux pas dans chat. Si si. Bon d'accord. C'est Malibu qui dit bon ok j'ai perdu mais vas-y euh, laisse-moi te montrer ce que je peux faire. Allez, ça pas relou. Ok, il a rajouté un effet ping de plus. Et et C'est bon. Non mais parce qu'on n'était pas sûr. Ah je savais. Mais y donc des cages à hein, lui. Hein. Il joue des bon, chats euh... ou pas On a vu des chats. Bah, ça ça, Shutdown Collected, mais oui, j'ai pas vu de chat. Bah avec si hein. Shutdown Collected, ça va suffisant. Il fait pas grand-chose quoi. On lève Pell Pierce du coup. Vu que t'as déjà rentré de quoi Shutdown uh, Collected Pel Pierce. Pas très bien contre lui. Hein. Hop. Ouais. En fait, Charme, c'est pas bien. Je <laughs> ne veux pas Charme. Bah, c'est la petite carte sweet d'Aze, mais... Euh... Ouais, c'est une bonne carte de Mendeck. Quoi que lui... On lui pique euh, son elf. Ouais, mais... Ah, est-ce que c'est pas... pas... Suis... Ok contre lui super oh. cher non de lui piquer son elf ouais il aura déjà fait sa value avec son elf il aura ouais, déjà fait collected en fait d'ici à ce qu'on puisse le piquer <laughs> c'est clair donc on s'en fout il y a quand même une liste un peu un peu bizarre quoi mais why not on joue une liste bizarre aussi donc ouais non mais il faut il faut ça on prend pas d'objection de... pas votre honneur Nickel. Trop bien. Je me suis bâti contre voilà. ça tout le week-end. Je, 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 je suis déter là. Beau ouais. De toute façon, Havre sans visage dans le match-up n'accomplit absolument rien, je pense. Ah, il a du board large. Jusqu'à ce qu'on attaque pour l'étale où là il a plus de bord. Oh, l'Oise d'or. Quand même un peu emmerdant, ce toit d'or. Cela dit. Ce toit d'or. Ah ouais, oh, il vient de nous démolir là. End euh, of turn. Va falloir euh, boonser la prêtresse. Ah c'est compliqué hein, de gérer prêtresse maintenant. Oui. Va falloir être finaux. Hein. Comment on fait Comme le chien. Ah, il joue rien. Non, si, si, c'était pas possible. Alors attends, est-ce qu'il faut pas. Tu veux contrer ça Je peux pas le contrer là maintenant en fait. Ah. Si on fait un de chaîne, il sacrifie son board. Ça nous va. Il sacrifie son grammage et ouais, en vrai c'est ok. Bah ouais, vas-y, va faire ça. Ah non, il fait une 1 il est malin. Ouais, il va quand même sacrifier deux bêtes. Il va sacrifier un drop 3 et un token ou alors wador et un token. Ouais. Souvent si je fais rien, euh, vraiment je le laisse jouer donc. Euh... Je me demandais s'il n'y avait pas un bounce intéressant à un moment donné, mais. Je ne sais pas. Finalement, c'est comme si on avait contré ça, tu vois. Ouais. Bon, il pioche une carte et on perd deux points de vie, mais. Ça a l'air vraiment nul son drop 3. Je sais pas pourquoi il joue que ça. Je ne comprends pas trop. Aucune idée. Hop, on repasse un petit tour Valorierde. Tu joues rien là, ouais, tu passes. ouais, okay. ben bah, je vais jouer en flash quoi. Ouais, ouais. Si je joue esprit ascendant passe, vraiment là c'est, tiens, gagne, mange-le, mm. bien bien miam miam. Un elf, ok. S'il fait collect head, tu peux l'attraper avec des définob. Non non. Il fait bien tout ce que notre deck ne bat pas, tu vois. Oh. <laughs> Hey, tiens, J'ai l'impression qu'on lui donne de la value à tous les tours, c'est une catastrophe. Ah, en même temps, pour essayer de mettre une obsession et mettre des points. Euh... Ouais, on n'a pas le choix. Pas le choix, quoi. Non, mais c'est qu'on a. Enfin, on rencontre vraiment des stratégies qui... qui nous mettent tellement dans le mal, quoi. Alors que des stratégies qui sont populaires en historique, du genre j'essaye de caster un gros dragon à 5 mana, euh... ça on les rencontre pas, tu vois. Bah, mais là, si tu ouais, une, ouais. une curieuse tu la donnes quoi tu la jettes, ouais non euh, je vais tu euh... vais attaquer juste ouais il fait un tour hein. c'est le déluge mmh. dehors hein. ah ouais j'entends pas j'ai presque du soleil chez moi je crois ouais non moi ça ça vente et tout euh... bien vénère Délu... est-ce qu'il est toxique ce déluge c'est un déluge toxique, ouais. Je suis en train de perdre moins. moins 3, moins 3, mais ça va, j'ai un bon body donc. Euh... Ok, mec, est solide. Fin de tour, un petit euh, petit fantôme suprême, au calme. Ouais, je, je suis plus dans cette game, fais ce que tu veux, PL. Ah, j'y vais, j'y vais. Sur, compte plus sur moi. <laughs> je je compte manifester ici. Cette vidéo. Je suis je, déjà dans la prochaine. Je te rappelle euh, à la game 2. 3. Ouais. À la game 3, ouais. Je, là, là, du coup. Je suis plus là, j'ai AFK mental. Je regardais la, la météo dehors hein, pour te dire. Faut savoir que là, si j'ai un chaîne en éphémère, je ne peux plus ouais. jouer mes esprits en flash. Et vu que j'ai essayé de le faire, l'esprit est contre carré. Non, non, mais j'imagine ça serait ouais. vraiment méchant, quoi. Wow, le mec est un porc. Ah, ah non, ouais, je peux partir. Bon, ben voilà. si. Oui, pars, pars, ouais, par par j'y vais, j'y vais. vais là. Que, bien sûr, bien sûr. Attend, pourquoi est-ce qu'on s'infligerait ça aussi, tu vois? Alors, ah, j'essaye, mais, euh, euh... mais à un moment, je sais plus quoi. Bon, du coup, Faut deux char c'est parti hein. Ah en vrai, ce qu'en les monstres, c'est pas déconnant. J'engage sa merde là, et elle est finie. Vas-y ouais. Si t'as vraiment peur de prêtresse, je comprends. Bah genre là, il a mis prêtresse, on a fait bon. Non mais c'est vrai, c'est vrai. C'est lourd. Bah mais les deux, attends les bécane. Ah je crois que j'ai mis les deux. Deux défis, deux... de de Geist ça fait pas grand chose contre lui. Ouais, déjà -de geist c'est pas très bon, tu peux en enlever un je pense. Et emprunteur c'est un peu nul aussi. Hein. Ça a un en cul. Ouais c'est vrai que ça se fait bien ping. Et ça lui redonne par contre des effets d'arrivée en jeu et tout. Donc... Oh c'est ben, là on va la ici... gagner, voilà. Ah mais ben, j'espère. C'était ici de Malibu euh... très 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 fort. Question ouais, pour, euh, pour les commentaires. Répondez avec, euh, avec le fond de votre cœur, s'il vous plaît. Est-ce que... Quand on fait une vidéo comme ça où euh, on gagne pas forcément, vous avez moins envie de craft le deck. Et à contrario, est-ce que quand on fait une vidéo où euh, ça se passe trop bien, vous avez envie de craft le deck Ah bah moi j'ai la réponse déjà. De toute façon, là on a dit, euh, on a dit de crafter. Ça on pas a dit, dit crafter pas, mais genre... Euh, qu Qu'est-ce ça ne tienne Là j'ai envie de faire obsession là-dessus, deux points je draw, entraver les monstres, il n'y a pas son mana. Et je prêterais si j'ai perdu. Ouais non, on fait pas ça. J'aime bien obsession, obsession hein. euh, Bourre. Ah ben là de toute façon, je suis à peu près sûr que personne n'a envie de craft ce deck là. À part Lancelot. Il y avait 2-3 curieux. Maintenant ils sont plus curieux quoi. Ils sont plus là. Il y a des gens qui disaient en mode ah ouais craft pas le deck, t'es sûr Non, parce que moi je pourrais faire des trucs avec ce deck là. Non, tu ne feras rien avec ce deck-là. Si, si dans ton local Game Store ils jouent tous Niz Mizette et euh, Jessica Créativité et que vous faites de l'historique en papier, c'est-à-dire un monde qui est extrêmement lointain, tu peux faire des trucs avec ce deck là. J'attaque et il devient 3-4 s'il bloque. Ça me va. Deal. Dilu. Non, moi il donne ça que ça, les hein. gens. C'était bonne cheap Parfait. Juste besoin d'attaquer. Gagne ton petit point de vie. M'en fous. Ouais, m'en fous aussi. Ok. Oh putain la collected, tu la sens ou pas Mec, du coup, elle on va est pas tomber dedans. Tu tiens de chaîne ou pas là non. non. Tu tiens de chaîne en collected. Je sais pas. Tu t'enchaînes chaîne ou pas Je sais pas. Non. Je suis du père. Non Mec, tranquille. <laughs> J'attaque Pépouze là. Ouais, vas-y. Je suis, suis vas encore un collected si jamais il te double bloque, non Si me double bloque, en vrai, je crois que je dis d'accord et je tue ces sais, deux bêtes. hein. Tiens, là, c'est chiant. en là, fait, il va, il va pas te double-bloc. Ouais, ce que j'allais dire, s'il si te bloque avec le sang-grumage, tu obligé du coup de te dépatouiller et tu feras un collective. C'est pas grave, Val. J'espère le Pierce. Ok. Il faut qu'il le croit. Il hein. faut vraiment qu'il le croit très très fort que tu as spell Pierce. Voilà. End of the game. Pourquoi il met Milan Ok. Intéressant. C'est un peu mieux que prendre collective cela dit. Oui, de toute façon, il allait... Enfin il y a une grande chance qu'il meurt sur cette attaque. Après il faut qu'on ait un putain tour 1 qui est pas vol quoi, c'est la seule bête qui vole pas. <laughs> On est conné. <laughs> hein. Ouf. Oh putain. Ah Il joue ça avec Collected Company compagnie. Non, mais lui, il respecte rien du tout. Hein. Ah, lui, je, je, vois, la je vois bien ce qu'il qu fait et il en a rien à foutre. Excuse-moi, hein, je ouais. pense 5. Hein. Waouh. Il a des dingues en plus. Quoi donc, euh, c'est triste. Hein. Non, vas-y, passe le tour. là. Ouais, je peux te je peux capture d'essence. Il va faire Corvold. Sacrifie Corvold. Bien joué. Tu vois ce que ça me fait penser, c'est que même les listes de merde, elles nous soulèvent. Bah ouais. Hein. Si, je peux, si je peux être très mal poli. Oh, vas-y aussi. Ah, ce tour si les enfants sont couchés, il doit être quoi 17h48. 17 De euh... 17 17 bah, toute euh, façon. Ouais. Ah, si. Ben, si Ah, ah si. voilà. Moi, je suis content là. Moi, je suis content, moi, je suis Très bien, très bien. Vas-y, vas-y, il y a une des Il a décidé de prendre le meilleur de June Food et de June Collected Company et le meilleur de June Citadel et oh. il a tout mis dans le même deck de 60 cartes. Je sais pas comment il a fait. Mais que ai un il out. joue tout en fois deux. C'est un singleton. <laughs> sauf au un de fou quoi. Pour ceux qui connaissent vraiment l'historique et les archétypes June, qui sont divisés en trois archétypes. La liste de cette personne-là est une... C'est une équation à résoudre, vraiment. Mec, on est dedans, là. Je pioche ma petite carte et tout, alright. Ouais, on, est, on, est, on est là. Mec, on est là. je suis juste là. Ah, t'es là. T'es grave là. Il peut piocher six cartes s'il veut, mais... Mais on est là. Ouais, mais s'il veut... Ah, par contre, il va jouer que les trucs qui me cassent les couilles un ah, déconné Gagner des points de, ça de vie là Larigot ça, Tu Aucune. sais dans quoi c'est joué ça Si, dans Citadel. Ah Donc là, s'il si fait Citadel en, dé en montré Collected Company et Corvold, je pose le plus gros étron de toute ma life, gros. Mais tu, euh, tu le mériterais. Là, il fait Fatal Push. Ah le bah non, encore mieux. Et allez, il trouve Mayhem Devil et, euh, et Citadel. il joue June Hall. C'est le en fait. Je peux partir, s'il te plaît. Non, non, attends, mais franchement, j'ai oh. une vraie curiosité sur, comment, sur tout ce qu'il a mis dans son deck. S'il te plaît, bah voilà. <laughs> tu veux pas juste le laisser détaper, voir s'il si fait Citadel Oh oui, si tu veux. Hein. Pour la science. Ton prochain il fait chafour, sacrifie chat, sacrifie four, four si t'as des. Je sais pas, j'ai des trucs au hasard. Ouais, passe le tour, on s'en fout. N'essaye même plus. Ça, ça m'intéresse pas. Mec, regarde. Il est oh, bloqué. Ouais, peux faire les... Pourquoi pas Genjutsu. Ah, en vrai, on n'est pas mort. Ah, on n'est pas mort. Hein. On est pire que ça. Mais laisse-le montrer sa grosse citadelle, tu vois. Oh, il va faire Citadelle. Land Citadelle. Non, oh. il, joue juste... il joue juste plein de drop 5 avec, 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 avec Collective. Et des Fatal Push aussi. June New Meta June d'All Star oh Une fois par an euh, En NBA ils rassemblent les meilleurs joueurs et ils font le All Star Game quoi Et ben lui il a fait pareil avec June Stylé hein. Ouais trop stylé Pas trop un Land On non plus, la... plus Prône encore là nous Mais qu'est-ce qu'on fait là Mais je me dis là il y a peut-être si le tour d'après Tu vois Il vole de l'avant on a dans Citadel, bien sûr. C'est quoi ça C'est Fatal Push qu'il a. Ah non, non, il va juste tuer ton fantôme, bien sûr. Eh oui. C'est pas, il a 3 manas noirs moi j'y crois encore. Hein. Je te dis là, ah, il a je veux voir. Moi j'y vais je vais jusqu'au bout là. Alors que ceux qui euh, voulaient voir le gameplay, vous pouvez partir. Là on est juste dans un travail d'enquête. 4 Corvoldes. 4 citadelles, 4 collected et compagnie, 4 elfes de la Noire, 4 aubergistes, 4 enjambeurs, 4 diables du... Dévi 4 Mayhem Devil, 4 euh, la prêtresse à la con là, et 4 fois le 2-1 un peu nul. 4 la prêtresse à la con. Et 4 fatal push. Oh, oh. oh putain. <laughs> What? Mais gros c'est fou. On fait une expérience sociale. On peut créer le deck vite fait après euh, on va créer le deck quoi. <laughs> quoi Mais what? C'est pas possible. C'est un meme. C'est un troll. En plus, on lui donne une victoire quoi. Le pire, c'est que je te vois tryhard, là. Mais que survie. Je te... <laughs> Je te vois tryhard contre l'impossible. Mais il avait l'étal, qu'est-ce qu'il a fait Il sacrifiait ses. On peut aller créer son deck Comme j'avais bloqué, il n'avait pas l'étal, justement. Attends, 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 j'ai pas perdu, voilà. Ah ouais, ok, ok. Regarde. Enfin, il y a 26 PV, quoi. J'ai pas gagné. J'ai pas perdu. Là, Je veux voir ce qu'il joue. Il joue une petite YouTube, aussi. Tu vois Attends. On a bien fait, on a une. On est une ah ouais. plus. Et on a un travail d'enquête à effectuer. Ah ouais. Ils ont cherché jusqu'au bout. On a compris. Ah compris. Il y avait au moins deux Corvold et deux Collected. Hein. Des 100 grammages, des Fatal Push. Une liste qui respecte évidemment tous les ratios mathématiques de, de Magic. Comme d'habitude. Sur le LAD. qu'on pourrait faire une série de vidéos un jour un ladder. Le, le laisse pas faire là c'est bon. Ah je le laisse tous ses triggers il va perdre la clock. Non non laisse pas faire viens on va on va détecter la, la liste vite fait. J'ai tout en okay. tête. T'en fais pas. Vas-y on va voir. Et j'ai tout en tête. Tout tout en tête et on va Collection. voir si ça rend Deck créer un deck. Hop là. Merde, non. C'est le plus. Quel con. Historique. Je veux 4 f de la noire. Traditionnel. Je veux 4 aubergistes. Je veux 4 prêtresses. Mmh, nope. Je veux 4 mayhem Devil. Je veux 4 collected de les enjambeurs. Oui oui les enjambeurs bien sûr bien sûr. Je veux 3 Corvold. Je, je le connais, je le connais il en a trois. Je veux trois citadelles Si je voulais faire un deck nul, je ferait un peu comme ça. Je veux 4 Blame Titubante. Est-ce qu'on a tout Et on non. a de Fatal Push maintenant Ouais voilà. En fait, c'est juste le meilleur deck. Est-ce qu'on oublie quelque chose il y a... Ah, si, sans grammage. A... Ah, putain, non, il y a 400 grammages. 400 grammages, merde. Il doit pas avoir les Pushman Deck. Tu peux les enlever, je pense. Je les mets en side. Il a dû avoir genre une seule blême. Enfin, une blême de moins, genre trois blêmes. Et il a seulement deux citadelles d'oblas, de je pense. Ouais, ma gueule. Combien il a de hits sur Collected Company 1, 2, 3, 12, 27. 27. Et dans les stats. Parfait. C'est le meilleur deck. Avec 24 langues. Avec 24 Avec 24 langues. 24 landes, je ne sais plus parler. Il lui, il m'a euh, subjugué gros. Avec il euh, a réussi à mixer. Un vert tour 1, un rouge noir tour 3. Euh, et 3 pour 6. Ah oui, oui, non, mais c'est il est surpuissant, quoi. Il a réussi à mixer June Collected Company, June Food et June Citadel de Bolas dans le même deck. Et en vrai, je suis très curieux. <laughs> J'aime bien quand les gens font ça. <laughs> mais ça, vrai. Me ça me met le seum parce que ça marche pas, là. On n'oublie pas une autre carte Je crois pas. Bon, de toute façon, il n'y a plus de place, hein, donc si on oublie, on ne sait pas comment il a fait. Surement, il a enlevé on les marées. Là, déjà, on ne sait pas comment il a fait. Ça ne peut pas fonctionner. Tu peux pas avoir euh, Citadel de Bolas, corvold et compagnies rassemblées dans le même deck. c'est pas possible, quoi. Eh ben, il s'est dit, mais pourquoi je ne le ferais pas, moi Pourquoi, moi, je ne le ferais pas Oui, puisque personne ne le fait. C'est comme Elf de la Noire Tourain. Ah non, il y a Goose. Oh, ah, c'est vrai qu'il y, y avait Odor. Il Odor. il faut encore couper, là. Hein on n'a vu que de deux Ouais, mais bon. Euh, il a que deux blêmes alors, je pense. Deux alors et Il joue que... 23 lands histoire de vraiment jamais caster ses cartes. Il joue je 23 lands. Et il joue à 61, c'est pas possible. Et il joue 61. Alors, je pense que euh, la décliste, c'est celle-là. Hein. Ou alors, il joue juste 4 elfes, 4 rois d'or et une blême pour les 9 tours 1. Ok, bonne idée. Bonne idée. Et le 23e land. Et 23e, c'est moi, bon, j'ai déjà enlevé. Solide. Expérience sociale. Eh bah écoutez, meilleur deck, craftez ça. <laughs> craftez ça euh, et ajoutez une pincée de sel et vous faites le meilleur deck de la méta. Pour vous faire chier, non mais vraiment littéralement, ah pour bon. vous faire chier à choisir une version de Jund, quand vous pouvez toutes les jouer d'un coup, c'est comme ma chérie qui fait de la pâtisserie, pourquoi se faire chier à suivre une recette Ça en bat les couilles. On met un peu de tout, ça marche. Tu... De toute façon, ça va cuire et créer quelque chose. Donc t'en as rien à foutre. <laughs> Et bien là, c'est pareil. C'est la fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Malibou Stessi, si tu existes, si tu regardes cette vidéo, si tu tombes dessus, dis-nous. Dis-nous comment tu as fait et donne-nous tes résultats. On veut savoir. On veut savoir ce que fait ce deck. Parce que vraiment, c'est euh, une prouesse. Ça nous intéresse. Vraiment. Pas, pas de seconde degré là-dedans. Dis-nous. Si, <laughs> si vous connaissez un pote qui s'appelle Malibou Stessi, dites-lui de, de passer nous dire ça. Réseaux sociaux dans la description Twitter, Facebook, Discord, avec notre chaîne Twitch, Valpell Magic Arena FR. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.